quand on veut parler de l'Amazonie, je vous dis Amazonie, qu'est-ce que vous imaginez? Vous imaginez de la verdure et puis des Indiens à moitié nus. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas que ça. Ça existe, mais si ça existe, c'est que c'est souvent mis en scène. Les indigènes que moi j'ai pu rencontrer qui étaient en habit traditionnel, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que j'allais venir et puis qu'ils allaient se déguiser, entre guillemets, jouer aux Indiens. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans une école d'art, mais je pense que le plus important dans mon travail, je ne l'ai vraiment pas appris dans une école d'art, c'est que je l'ai appris en vivant des choses et puis en observant mon quotidien et en m'intéressant, en m'ouvrant un peu sur la vie des autres. Et je trouve ça en fait fascinant. Je trouve que la vie des autres est plus fascinante aussi, je pense, que la mienne. Moi, je synthétise en fait tout ça. J'absorbe toutes ces histoires qui viennent vers moi et j'essaye d'en recréer quelque chose. J'essaye de retransmettre ce que j'ai pu ressentir ou imaginer. Ouais, je pense qu'avant même d'être un livre, c'est une sorte d'aventure, dans le sens où moi je suis parti au Brésil en 2008 pour faire pour travailler sur un projet de reforestation, donc c'était pas un projet photo. Et il y avait je travaillais avec une tribu indigène, et à ce moment-là, ils avaient ce discours qu'on connaît, nous on aime chasser, on aime pêcher, et le blanc est venu tout détruire, a pollué nos rivières. Aujourd'hui, on est condamné dans notre réserve et on est en train de perdre notre culture en fait. Mais en même temps, justement, ils avaient déjà adopté tous les codes du monde moderne. En fait, ça c'est aussi nous qui avons une idée romantique en fait des indigènes. On a une idée romantique comme quoi la culture indigène ou aborigène devrait être figée et ne pas évoluer comme s'ils vivaient dans un autre temps en fait. Et en lisant, j'ai lu le livre qui est en fait le journal de bord de Francisco de Orellana. Francisco de Orellana, c'est le premier conquistador espagnol à être parti des Andes, donc de l'Équateur. Mais donc en fait, Francisco de Orellana a découvert, je mets bien entre guillemets découvert parce que le fleuve Amazon a toujours existé, mais découvert pour l'Europe et le Royaume d'Espagne le plus grand fleuve en fait du monde. Et donc mon idée était justement de reprendre ce parcours de 1542, commencer par ça, et faire un peu un état des lieux de ce qu'est la culture contemporaine aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des successions de vagues de colonisation. Ça, c'était la première vague de colonisation. Mais il y en a eu plusieurs par la suite. Il y a eu le boom du caoutchouc, qui a eu un impact très fort. Vous voyez d'ailleurs, ça, c'est un bateau qui transportait le caoutchouc, qui avait été fabriqué en Allemagne. Il y avait effectivement le pétrole, l'or. Les missionnaires se sont aussi emparés des cultures indigènes. Et donc j'avais envie de faire un peu un état de lieu de tous ces différents calques, différents moments de conquête qui se sont produits pour en discuter. C'est la plus haute cascade d'Équateur, mais justement elle marque vraiment le début, si vous voulez, de l'Amazonie. Et donc elle a un double sens, en fait, cette image. Le premier, c'est elle représente un peu justement ce côté romantique qu'on a de l'Amazonie, cette idée un peu du monde sauvage, pur, magnifique, qui est très apaisant au premier regard. Mais en fait, donc ça, c'est l'image que je présente, et c'est comme ça que je l'intègre dans cette série, dans le sens où mon travail, il n'est pas purement documentaire, il joue aussi beaucoup avec les émotions que j'ai eues pendant mon séjour en Amérique latine et ce rapport entre l'homme et son environnement. Donc, si vous voulez, le but premier, il est d'abord de commencer par une image assez picturale et de décrire cet environnement. Vous allez
lire qu'en fait, cette cascade va, son débit va être considérablement diminué l'année prochaine. Et donc, elle va plus ressembler à cette image idyllique. Ça sera probablement un faible filet d'eau parce que y a une entreprise, il y a un barrage hydroélectrique qui se construit en amont. Groupe de rap indigène du Brésil, les Bro MCs, qui sont des rappeurs assez intéressants. Parce que je trouve que eux justement ont trouvé une espèce de juste milieu dans leur manière de s'exprimer, en tout cas. Ce sont des rappeurs, mais qui vivent dans une réserve indigène au Brésil, dans le Mato Grosso do Sul. Et c'est une région qui a connu, qui connaît toujours énormément de conflits entre les agriculteurs et les indigènes. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les indigènes ont été déplacés au courant du XXe siècle et placés dans des réserves. Et là-dedans, ce groupe de rap qui, du coup, se réapproprie les codes du rap américain. Ils sont obsédés par Tupac Shakur. Donc ça commence à dater un peu, mais le temps que ça arrive à la réserve indigène, c'est ce qui est un peu tendance en ce moment. Mais simplement, donc, fascination pour la musique, fascination pour le rap, simplement affirmation de sa propre culture aussi. Donc, les textes sont en guarani, ce qui permet aussi d'une certaine manière de valoriser la langue guarani, que les jeunes continuent aussi à parler cette langue. Et surtout, les thèmes évoqués parlent justement de cette question du droit à la terre, la question de la démarcation des terres indigènes au Brésil, les préjugés qu'on a envers les Indiens, préjugés cannibales, paresseux, bons à rien. Et eux, en fait, qui sont vraiment affectés par les préjugés. Qu'on leur qu'on, enfin, par les préjugés qui leur sont attribués, ça les affecte beaucoup. Et donc, ils utilisent aussi le rap pour donner leur version des faits. Mais j'aurais de la peine à vraiment me positionner par rapport à un style de photographe parce que je pense que ce qui me fascine davantage, c'est le cinéma, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les histoires. Ce sont les histoires qu'on raconte, et donc je trouve que le cinéma me touche davantage, parce que c'est peut-être simplement un peu plus vivant, et en tout cas je ressens davantage de choses. J'aimerais bien faire d'ailleurs plus de cinéma à l'avenir, mais donc il y a des films, par exemple des artistes comme, enfin des réalisateurs comme Takeshi Kitano, qui sont d'une extrême beauté, qui font des films d'une extrême beauté, d'une très belle poésie, beaucoup de choses suggérées que j'aime beaucoup. Il y a aussi un réalisateur argentin qui s'appelle Carlos Sorin, qui parle en fait de petites choses du quotidien. Et je pense que mon inspiration principale, elle vient vraiment de ça. Elle vient pas forcément c'est pas forcément une inspiration purement visuelle. Werner Herzog, ce cinéaste qui m'a beaucoup influencé par ses films, mais aussi par ses écrits, parce que il a écrit beaucoup de carnets de route, en fait. Et vous voyez comment il digère et il pousse ses réflexions à travers la marche. Et voilà, je pense qu'en fait, une de mes influences principales, ouais,
cette question aussi de comment l'humanité trouve sa place dans le monde, comment elle interagit, comment elle est obsédée par des quêtes. Enfin, l'être humain, c'est ça que je trouve fascinant et dramatique à la fois, c'est cette volonté constamment de chercher, de vouloir aller plus loin, de trouver des réponses. Bernard Herzog a fait deux films en Amazonie. Le premier, Aguirre, la colère des dieux. Et le deuxième, c'est effectivement Fitzcarraldo. Et donc, dans mes images, il y a justement cette référence avec le bateau que vous avez vu au début de l'exposition. La caméra que j'utilise, l'appareil que j'utilise le plus régulièrement, en tout cas avec lequel j'ai photographié toutes mes séries, c'est ce monstre qui s'appelle Mamiya RB67. Pourquoi j'utilise un appareil qui a plus de 40 ans ? Il y a plusieurs raisons à ça. Le premier avantage, c'est qu'il est purement mécanique, donc il n'y a pas de pile. Et donc il supporte les grands froids comme les grandes chaleurs et l'humidité, il résiste assez bien à l'humidité, il est très solide et donc ça me permet de photographier des avalanches à 3000 mètres d'altitude par moins 20 degrés et faire des photos par 45 degrés avec 100% d'humidité en forêt tropicale. Première raison. Donc, la deuxième raison, appareil très lourd qui a l'air très compliqué d'utilisation. Ça fait pas de jaloux, on n'a pas envie de vous le voler, en tout cas on peut pas juste passer faire le pickpocket. Donc vu que je travaille aussi dans des zones parfois assez elles sont pas très risquées, mais malgré tout le vol est quand même assez courant dans plusieurs des régions où je travaille, ça m'évite aussi de me le faire voler. Si je me le fais voler, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui ça vaut plus rien. Donc voilà, ça c'est des aspects que j'aime bien. Aussi j'aime bien en fait cette idée de prendre un peu du temps, de regarder avec le viseur. Il y a un côté un peu rituel où on s'incline finalement devant la personne qu'on photographie. On ne se cache pas derrière un masque, on est plutôt observateur. Enfin on se dévoile, on montre le début de calvitie aussi. Et quelque chose aussi qui est pour moi assez important, c'est que ça crée un lien avec la personne. C'est une manière en fait de rentrer dans la discussion. Lorsque vous dites est-ce que je peux faire une photo de vous, et puis qu'on vous dit oui, que vous arrivez avec ça, vous suscitez de la curiosité. Il y a un intérêt et c'est ainsi que commence l'échange. Parce qu'il est très rare de se faire photographier avec ce genre d'appareil. J'ai pas besoin de me positionner comme un sauveur de l'Amazonie ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas de rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment l'homme trouve sa place et comment peut-être moi, je m'intègre et je comprends ces choses. Et donc, que je travaille en Suisse, en Ouganda avec des skateurs ou en Amazonie, mon idée, elle est surtout aussi de présenter le monde peut-être d'une manière un peu différente dans le sens où le monde est beaucoup plus complexe que les stéréotypes qui sont utilisés dans les médias de masse.